Surtout, bouge pas, j'arrive. Nike, t'es là. Hello, et oui, je suis là. Bonjour à tous et bienvenue pour la suite de Biomutant, toujours en mode extrême. Nous sommes à la partie 24 des vidéos. Et nous allons commencer sans plus attendre. Aujourd'hui, nous allons chercher une autre monture. L'épisode précédent, c'était celle-ci. Donc, pour toi qui es nouveau, eh bien, écoute, pense à t'abonner et activer la cloche de notification si la chaîne te plaît, bien sûr. Et afin de ne rien rater des futures sorties. Et pour tout le monde, prenez-vous à boire, à manger, mettez-vous dans le noir pour avoir une meilleure qualité d'image. Et sans plus attendre, nous démarrons de là. À la One Again Beat to Fly, on n'a pas peur, on est des... On est des rappeurs, yes Birdie, yes mon ami, allez go, come on, on y va. Donc comme moi, c'est tout. Ok, ben on va chercher comme moi. À 300 mètres, mais elle est où? Elle est dans le village ou quoi? On va regarder quand même. Ah non, elle est pas dans le village. Donc, eh bien écoutez, on va peut-être passer par là. On peut passer par là? Non, toute seule. On peut pas passer par là. On va passer par là? À mon avis. J'espère. Ah là là, moi et les directs et les directions. Ça fait 20 000, hein, je vous jure. À mon avis, on va prendre le petit chemin là. On s'arrête pas parce qu'on a d'autres chats à fouetter. On s'arrête pour lui. Allez, allez, on se fait lui. On n'est pas là pour niaiser, on est là pour combattre aussi, hein, les potos. Bon, cheval, le pauvre, il veut aller aider. Mais il a plus que les os, il a même plus de peau. Il a pas de peau. Lui non plus, il va mourir. Je sais pas encore. Hein. Allez, je vais venir un peu à côté de lui. Allez. Allez. Oh, ah ouais. Ah là, c'est du genre à one shot en fait. Bon, on va rester à distance. On va rester à distance. Ouais, Knight oublie des fois que qu'il est en extrême. Et que voilà, trop vouloir faire le dingue. Tu t'en mords la queue, ma femme dit. Bon, mais écoute. Écoute, mon ami, si madame a dit ça. Hey, allez. Voilà de l'électrodéchet. On y va à pied, là. Hein, on est à 100 mètres. Donc surtout, n'hésite pas, commente. Cet endroit s'appelle... Like la vidéo, c'est important, ça fait plaisir, c'est gratuit. L'entraide est vraiment importante, vous le savez tous. Voyons voir. Hey, commente, hey, like, hey. Voyons voir. Ah, abonne-toi, je l'ai dit déjà. Je perds la tête, moi, ça devient... fadard. Même au sommet des montagnes... Le monde s'assombrit de jour en jour. Il reste peu de temps pour le sauver. Et bien que vous veniez juste de vous rencontrer, il sent que vous avez un grand rôle à jouer. Estime que ce n'est pas une raison pour abandonner le combat. Vous avez trouvé un chemin à travers les ténèbres. Vous brillez comme le soleil dans le ciel. Mais allez-vous utiliser ce pouvoir pour réchauffer le monde? Je suis le soleil noir. Espère que vous réalisez toutes les bonnes choses que vous pouvez faire avec ce pouvoir. Et à quel point il est facile de le laisser vous dévorer. Mais où que votre chemin vous mène, vous devez vous souvenir d'où vous venez. Le passé illumine le présent. Dis le sage Knight. Vous savez à quel point vous avez influé sur le monde. Votre présence change le cours des choses, telle la lumière qui éclaire dans l'obscurité. L'avez-vous compris au moment de choisir où briller? L'obscurité, moi, ne dérange pas. Vous ne pouvez vous empêcher de briller quoi qu'il en soit. Ouais, même dans le noir, je brille. Se réjouis de voir que vous contribuez à illuminer le monde. Il peut encore être sauvé en grande partie. Quoi qu'il arrive au monde, vous aurez brillé autant que vous le pouvez. Une tête, c'est le plus important. Dit que vous avez fait le bon choix en vous alliant aux myriades. Ils achètent de nombreuses lampes.
Voilà. Ah mais j'ai coupé avant, désolé. N'essayez pas de vous vendre quoi que ce soit, pour l'instant. Il peut voir à la lueur de vos yeux que vous n'êtes pas ici pour parler de vos alliés. Non. Il suppose que vous venez chercher l'illumination. Il vous comprend, étant donné que tout paraît sombre et sans espoir dernièrement. Ouais. Il sent quelque chose de spécial en vous. Tu sens. Comme si vos destins étaient. Après la douche ce matin. Ce que vous avez dit, il le ressent aussi. Alors, appelez-le donc comme moi. Comme moi. Il sent que vous êtes comme l'effet mouche, vivant chaque jour comme si c'était le dernier, dans la peur que la tombée de la nuit vous donne raison. Pense que personne n'est tout noir. Même les gens les plus détestables ont une étincelle de bien en eux. Vous me réveillez à la fin comme du moi, dialogue. Dit qu'il n'est pas seulement amateur de ce qui brille, il aime aussi ce qui scintille. Je brille et je scintille. Il suppose moi. Que vous n'avez jamais vu une papillette et dit qu'il est temps que ça change. Bien qu'elle niche près de l'herbe qui fuit, leur éclat ne faiblit jamais. Comme moule. Trouver une papillette vous donnerait la lueur d'espoir dont vous avez besoin pour aller jusqu'au bout. S'illumine en voyant votre vive passion pour la lumière. Ouais. À combien de fois il a mis le mot lumière dans ses dialogues, quoi. Franchement, gars. Yeah, niveau 38. Trouver la grotte. Trouver la crotte aux papillettes. Où elle est la crotte aux papillettes? Ah, ici. Ouais, ok. Donc, eh bien, écoutez. Y'a là, mon fidèle destrier, qui a pas d'os. N'oublie pas, mon cheval, cet après-midi, je vais à Bricomarché, je vais t'acheter de l'huile WD-40. Tu vas aller beaucoup plus vite, mon poteau. Et plus loin. Parce que qui ménage sa monture, va loin. Oh, un totem, je t'aime, totem, il s'aime. Oh, yeah. Il y a une grotte par ici. Oh. Des déchets toxiques. Je n'ai aucune idée de ce qu'était cet électrodéchet. T'es où, mon cheval? Ah, mais tu restes, toi, en fait, tu restes là où je te pose, quoi. Il va pas te venir à l'idée de dire, tiens, je vais empêcher à mon maître de faire quelques pas, non? T'es comme ça, t'es un fou. Allez, du bois, parce que le bois repousse. Bien ce qui nous attend là-haut sur la montagne. On a déjà vu pire comme bicoque. Celle-là, on pourrait presque en faire quelque chose. On y va comment là-haut en fait? C'est. Noko, trouver la grotte aux papillettes. Je veux bien, hein, elle est là. Hein. Ah! Elle est ici. Plutôt. Ah, regardez là-bas. Regardez-moi ça. C'est hyper mignon, il faut avoir les yeux partout. Je pense. Donc je suis donc je pense qu'il faille passer par ici. On va faire le funambule.
On marche sur un cul. On marche pas sur le meilleur endroit pour danser. Bah si, regarde. Hop. Magie. Magie. Je saute. Et je ne tombe pas. Allez. Allez, petit scarabée. T'as pas peur, t'es un rappeur. Tu sautes, tu bondis, tu voles. On y est. La crotte aux papillettes. Oh, dis-moi pas que c'est pas vrai, y'a un monstre en bas. Y'a un monstre en bas, c'est pas vrai. Un rat. Une souris géante. Vous en connaissez un rayon. J'en connais un rayon, oui, un rayon. Oh, quel bel mot, nice. Hop, esquive. Yeah. Hop là. Ah. Yeah, bang. Tu fais quoi quand je suis au-dessus? Hein? Ah d'accord, tu fais comme ça. Je t'électrocute, tu le sens comment? Ah ben, j'ai vu que tu le prends bien. Voilà, c'est fini pour lui. Voilà, c'est fini. Oh, elle est où là? Ah. Les histoires continuent. Que vous soyez là pour les écouter. Ah ben non, mais là c'est là d'où je viens, putain. Ah, Night, Night. T'as jamais pensé, Night, à ce qu'on te greffe un GPS dans la tête? Voilà la grotte au papier. Ça pourrait me servir, hein, les gars, je vous le dis. Oh, du psy. Psy un jour. Psy toujours. Oh, c'est ça, les papillettes. C'est pas gagné. Waouh. Trop rapide, trop rapide. Oh putain. Merde. Trop rapide, trop rapide. Oh là là, je vais mettre 20 ans. On va arrêter de leur courir après. On va examiner. Yeah, une. Ah, 4 déjà. Yeah, super. Super, les amis. Je pensais que ça allait être plus compliqué. Et je peux pas en récupérer d'autres? Eh non. Je suis dit pas en route pour moi, pour m'illuminer pendant la nuit. Viens avec moi. Viens, mon petit. Écoutez, on va repasser par là. Hein. Et non, pourtant, ça me dit là-bas. Eh oui, eh oui. C'est ça l'âge. Hein. Oh là! Excusez-moi, j'abandonne le cheval. C'est bon, t'es bien tombé? Ouais, super. Cool, il a envie. Pas égoïste, hein, je pense à ma vie, c'est tout. Attendez. À pas mourir, à pas mourir. Regardez. Ah non, maintenant il veut plus venir, hein. Il me fait la gueule peut-être. Ah, c'est bon. Eh bien. Mode d'emploi, pointez le museau dans la direction souhaitée. Oh là là, ça c'est toute une histoire. Qu'est-ce qu'il y a? Un totem. Je t'aime, totem, il s'aime. Et il tombe. Pas. Il y en a, ils sont plus récalcitrants à tomber.
Ça va, Toro aidé? Ouais. Toi aussi? Vous avez une tranche? Oh, il m'a fait peur. Hello Noko, ravi de te revoir. Ça farte? Il y a assez de papillettes pour que son plan fonctionne. Elle veut que vous arrêtiez de vous inquiéter des chemins que vous avez pris pour vous concentrer sur l'inévitable voie qui vous mènera à affronter le Mange-Monde. Je vais le défourailler, le mouvement. Le lapipou fait la preuve de la dualité de l'évolution. Incroyablement belle et grotesque à la fois. Elle veut dire que le lapipouf a eu plus de temps pour ronger la racine, comme elle est isolée dans les montagnes de Roulpamous. Il y a de ces noms, je vous jure, c'est de par ses informations, elle en déduit qu'elle a subi autant de dégâts que celle se trouvant au nord-ouest, cachée sous la saline. Roulpamous, c'est bien plus malin pour le lapipouf. Il lui rappelle ses biquettes. Ils ont les mêmes sabots, juste beaucoup, beaucoup plus gros. C'est clair. Oh yeah! Voilà, j'ai la monture, les poteaux, enfin! Enfin, j'ai la monture! Ça, c'est royal, franchement. C'est pas trop... Elle est belle, hein? Pas trop quoi elle va me servir contre le lapipouf, mais bon. Ah, attendez, un panneau. L'histoire se poursuivra tant qu'il y aura quelqu'un pour l'écouter. Ouais, mais il y a un panneau, là. Monsieur le panneau, non? Non, bon, bah écoutez, tant pis. Tant pis pour moi. Ah, vengeance, tiens. Les isotopes, c'est le top. Oh! Et DJ Top. DJ Top aussi, non? Allez, allez, on dot. On n'esquive pas, bien sûr. Pourquoi esquiver? Allez. Donc mon arme balance des disques, en fait. D'accord, ok. Tu veux pas esquiver? C'est ton choix. Écoute, on est électrocuté. Oh là, ils sont beaux, tiens. Babadaboum. Hop là. Ah là 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 là, tournoiement d'oiseaux, non. Allez, allez, on défonce tout. Ça tombe. Allez, on les finit à l'épée. Ça va, tu l'as senti celle-là passer entre les oreilles? C'est fini. Voilà, super. C'était cadeau. De la vie. Ah ben toi c'est bien, tu te déplaces, tu viens me rechercher, c'est cool. Donc les amis, nous allons... Mur effondré. Ah! Eh bien, écoutez. On va tester le cheval, là. Donc ça, on va voir à quoi il sert. Un point psy, au passage. Nous sommes tous les héros de notre propre histoire. Enfin, c'est ce qu'on espère. Merci. Je vois pas trop à quoi il peut me servir le cheval, mais bon. Ah, vous vouliez vous battre? Attendez, je fais ma mission, je viens vous chercher. Bougez pas, je m'occupe de tout. Ah! Ouais, et puis à carré, ok. Ah, super! Non, mais c'est royal! Mais c'est comme ça en fait que je vais pouvoir récupérer mon caisse,
ma caisse de jet ski qui est enfermée justement dans une caverne comme ça. Ça perd l'hippopète, si on m'avait dit ça avant. La vie, parce que la vie c'est la vie. Ok, bon ben allez. Un mur sur 7. Non, là c'est un poteau, là mon poteau. Là y a rien. Cette demeure antique, elle n'a peut-être pas été pillée entièrement. Ouais, on va piller la demeure, là, les poteaux. Oh! Mettez juste un pied devant l'autre. Voilà, un petit c'est peu facile. De course. Allez, un petit peu de course. Vous êtes rapide comme l'éclair. Il ressemble à notre tapis de course, un birdie. Regarde. Elle m'a pas entendu. Elle est en train de game. Ah, les geeks, je vous jure, c'est plus... Pantalon de Netra. Ok, on va le garder même si je vais pas le mettre à mon avis. De la vie. Non, ce on sera recycle. Utile. Non, cette non, expédition pas... est en train de prendre des proportions épiques. Vous avez vu la tête, on dirait un extraterrestre en fait. Franchement. La tête d'un E.T. sur un corps humain, c'est royal. Ah, le pognon dans le fauteuil, comme tout le temps, ben non. On va regarder là en bas, à mon avis, on va avoir du loot là. Oui, les déchets toxiques. Un danger biologique. Il faut tourner les bitognons en même temps. Non. Ok. C'est totalement parti non. En vrille. Il faut tourner les bitognons en même temps. Ouais. Non. Et lui, on peut pas le tourner. C'est quoi la mascarade là? C'est totalement parti en vrille. Waouh! Il faut tourner les bitognons en même temps. Ben ouais. Oh, je croyais que je pouvais pas le tourner, c'est quoi. Non, mais c'est pas croyable. Oh my god. Il faut tourner les bitognons en même temps. Bah ouais, mais j'ai bien compris, mec. Voilà. Je croyais qu'on pouvait pas le tourner, là. Il y avait pas le rond au milieu. Vous avez bien fait tourner. Moi, tout ça. Moi, je tombe dans le piège, quoi, en fait. Oh, qui énergie. On va le garder, mais c'est bon. Rare. Van Glem, que je vais pas utiliser, j'ai en armes, j'ai ce qu'il faut. Hein. Le monde vous réserve bien des surprises. Ah oui, ça. À qui le dis-tu, mon neveu? Oh, antimateria. On recycle. Allez, on recycle. Ça on peut pas. Hop. Allez, on recycle. Là on ne peut pas. On
En fait, ils sont tous morts en dormant, ou en regardant la télé, ou en fumant une clope. Truc de ouf, mais que s'est-il passé en fait? Je ne comprends pas. Ça va, monsieur? T'as une tête? Putain, what the fuck. Donc, il faut aller. Faut aller. Ah ouais, faut aller là, en fait. Ok, ben on y va vite, les poteaux. On va vite se le faire. Alors, One Again Beast to Fly, celui-là aussi. Non, non, pas de combat, pas de combat, c'est bon. J'en ai marre de vous tuer. Je presse la non-violence, je vous l'ai dit. En bas. Ah merde. Chef, j'ai glissé, chef. Oh putain. Oh bah écoutez. Je vais rappeler mon cheval ici. Merci, ça va. Pas trop dur la chute? Non, c'est bon. Allez go, tire mon ami, tire. Voilà, maltraitance animale, je vous jure. Le fléau qui détruit la terre doit être éradiqué. Ouais, ouais, ouais. Oh, ça c'est beau ça, super dup. Fusil, tire des lames de scie qui transpercent les ennemis. Elle est même mieux que celui que j'ai en fait. Pouf, panne. Pistolet, ouais. Ok, bon, c'est venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Regardez-moi ce soleil aveuglant. Moi qui ai oublié mes lunettes de soleil. Nous devons... C'est quoi ça? Aller voir Mojo, non. Badabung. Ah, ça sera ici après. Mur effondré. Putain, waouh. Écoutez, on va se diriger vers Mojo. Car on va pas s'attarder. On va bientôt arrêter. Donc une petite virée dans les plaines sauvages de l'Ohio. Oh, feuilles de vigne. Feuilles de vigne. C'est loin. La boutique de Mojo se trouve quelque part par ici. Il est là. C'est Cindy. Elle est marrante, elle, la Mojo. Ça va, Mojo? Waka tepe, baboon. Hey, comment t'as like et abonne-toi, au fait. Hey, sinon tu parles à ma main. Voyons voir. Ok, on est ici. On a vu, on est venu. Interaction. Bonjour, ma petite dame. Ravi d'enfin vous rencontrer. Même en ces heures sombres, quand la lumière s'estompe, vous êtes comme une tenue neuve. Déplore que peu de gens se soucient de leur style, maintenant que le monde fonce droit vers une fin funeste. Eh. Les gens ne s'habillent plus. Vous avez le pouvoir de faire pencher le destin du monde d'un côté ou de l'autre. Il veut que vous le sauviez, certes, mais avec style. Le style, il sait que le votre cœur est celui d'un héros. Il veut seulement s'assurer que votre look aussi. Il vous suggère de fouiller dans votre passé. Elle veut juste me de faire dépenser du pognon. Des liens, ouais, qui unissent tout. Vous devez suivre ces liens pour comprendre qui vous êtes et où vous allez. Plus malin encore. J'aimerais savoir si vous vous demandez parfois à quoi ressembleraient les choses si vous aviez choisi un style au lieu d'un autre. Parfois, il suffit d'une coupe et d'une couture au bon endroit pour faire basculer le monde. J'aime bien ce que je porte pourtant. Parce que ça vous va vraiment bien. Ah. Se réjouit que le monde semble remonter la pente. Il s'est laissé aller trop longtemps. Vous remercie de raccommoder les trous dans le monde. Ce monde n'est pas parfait, mais c'est le seul à notre taille. Approuve votre collaboration avec les myriades. Leur sifu a un excellent goût vestimentaire. Prétend avoir réalisé sa tenue favorite, celle que le Sifu porte tous les jours. Non. Mais assez parlé d'eux. Il veut qu'on parle de lui. Ouais. Il se demande si vous avez remarqué, vous aussi. Les liens qui unissaient les gens à travers les âges sont tous brisés. Eh oui.
La plupart des gens viennent ici pour fuir la laideur du monde. Ils travaillent beaucoup avec les humeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dit qu'on enterre les morts dans leurs plus beaux vêtements. C'est vrai. Et qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent pour la fin du monde. Eh oui. Quitte à mourir, autant mourir beau. Certains pensent même qu'il fait de la magie, car il change votre humeur avec style. C'est de là que lui vient son surnom, Mojo. Il a tourné en rond toute la nuit. Il a une fibre à terminer. Mais il a la fibre, lui, alors que moi je l'ai pas, enfoiré. Personne ne tient qu'un fil. Allez. Il est sur le fil du rasoir. Mojo, la seule bobine qu'il ait vue est attachée à un cerf-volant qui se balade au gré des vents. Il fera tout ce que vous voulez si vous lui rapportez cette bobine. Et bien content de connaître un mécène de la mode comme vous. Ok. C'était tout, donc. Mojo, est-ce que tu me vends des... fantabuleux de vous revoir. Ah ben non, il me... Dis que... Mojo ne me vend rien, autant on emporte le vent. Il a vu le film, en fait, celui qui a fait le jeu. Eh bien, les potos, nous allons reprendre notre monture et nous allons nous arrêter avec le chioval. Voilà, vous pouvez voir, il a une tête de boxeur, un peu, je trouve. Hein ? Vous trouvez pas ? Ouais, il a une tête de boxeur, le mec. Bon, en tout cas, merci à tous pour avoir visionné la vidéo Score Boost, c'était bien cool. Pour toi qui es nouveau, si la chaîne te plaît, bien sûr, pense à t'abonner, à activer la cloche des notifications afin de ne rien rater des futures sorties. Ça fait toujours plaisir en plus. Et pour tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, portez-vous bien, on se dit bye bye. A bientôt, Red Cool Bébé, sinon tu parles à ma main. Allez, je vous aime à tous, je coupe. Allez, je vais m'en jeter une. Bye.